Hey yo les gars, salut à tous, c'est Marius Gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars. Donc aujourd'hui cette vidéo va s'intituler les meilleurs brawlers en Razzieb Gem. Donc avant que la vidéo commence les gars, beaucoup de gens me demandent un guide sur Mortis. Donc j'essaye de chercher des idées et certainement qu'une vidéo devrait sortir la semaine prochaine sur ça. Avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça ferait super plaisir. On est bientôt aux 400 abonnés, merci beaucoup les gars. Donc, première chose de cette vidéo à savoir les gars, donc ça va pas être un brawler, c'est juste une chose à savoir. Il faudra toujours avoir 3 rôles en Razzia de gemmes. Donc c'est un défenseur a surtout une longue portée, ou alors c'est un lanceur pour dire de couvrir les ouvertures. Il y aura toujours un attaquant c'est celui qui fera un maximum de kills pour que les ennemis reculent, et un porteur de gemmes. Donc le porteur de gemmes devra se faire couvrir un maximum par l'attaquant et le défenseur pour pas qu'il meure et donc pour pas que ça fasse un fiasco total. On va tout de suite commencer les gars par le premier brawler, le brawler Penny les gars. Le brawler Penny est surtout joué dans des maps assez ouvertes, à la une bonne santé de vie, une bonne portée, à la un bon ulti et elle a des bons dégâts. Donc pourquoi Penny est si joué? Penny est si joué à cause de la portée de son mortier qui est vraiment énorme. Elle est surtout jouée dans des maps avec beaucoup, enfin pas vraiment beaucoup de murs et de buissons. Pourquoi? Parce que sinon elle ne sera pas, elle sait pas vraiment tuer les tanks. Penny son genre c'est plus de tuer des lanceurs ou alors des brawlers à bas HP, donc c'est à dire avec pas beaucoup de vie. Et donc bah voilà les gars, Penny est surtout joué avec son ulti qui est assez loin, et surtout pour son attaque. Donc une fois qu'elle a touché un ennemi, ses pièces vont directement retourner et faire un petit peu plus de dégâts sur l'ennemi qui est derrière. Deuxième roller les gars est tout simplement Jhin. Donc Jhin est vraiment joué dans des maps pas trop ouvertes. Pour savoir la jouer, il faut tout simplement ne pas trop avancer. Donc Jhin a une très bonne santé, a de très bons dégâts et a surtout un très bon ulti. Son ulti sert à grab des adversaires. Donc forcément la plupart du temps quand on grab un adversaire, nos alliés vont tout simplement les tuer, donc les ennemis vont devoir se réfugier. Et ça c'est parfait, c'est facilement un brawler pour gagner ça. Donc pour savoir le jouer les gars, faut pas trop avancer parce que sinon vous allez facilement vous faire killer par les ennemis adverses. Surtout si vous voulez faire des grabs, dès que l'ennemi sort de son buisson, de sa cachette, grabez-le, n'attendez pas qu'il reste dans son buisson au moins 2 heures, comme ça vous devrez attendre et tirer. Et les autres ennemis vous mettront la pression. Le troisième brawler, les gars, est tout simplement Barthaba. Barthaba est très joué dans des maps très fermées, les gars, parce que il servira à fermer les ouvertures et donc à ne pas que les ennemis aillent chercher les gemmes. Barthaba est surtout un défenseur car grâce à ses gadgets, il peut régénérer la santé de ses alliés, et aussi quand il tire, si vous avez le Star Power vie, il remet 400 de dégâts à chaque fois qu'il, à chaque fois qu'il tire, et ça c'est plutôt cheaté de malade je trouve. Moi, même si moi qui ne sais pas trop viser, qui ne sais pas trop maîtriser Barthaba, je trouve ses gadgets et ses Star Power cheatés. Son attaque, elle fait quand même très mal, sa santé de vie est assez basse, il faudrait plus la mettre vers 3920-4000 s'il y aurait une amélioration, et sa portée est quand même très bonne. Et le dernier brawler les gars, le brawler le plus facile à maîtriser ou à gagner, c'est tout simplement Tara les gars. Tara est très jouée avec sa très bonne portée, son ulti qui peut faire des ravages, qui peut prendre souvent 3 ennemis et donc les kills facilement. Son attaque qui transperce, donc ça c'est vraiment super, une attaque qui se transperce, c'est rare, surtout dans le jeu, il y a quand même énormément de brawlers qui l'ont, mais les brawlers en Razzia Gem que j'ai cités, il n'y en a pas beaucoup. Tara, il faudra vraiment la jouer comme attaque,
parce que si vous la jouez en défense, vous n'aurez pas trop de choses à faire, tandis que si vous la jouez en attaque, vous pourrez facilement tuer les ennemis. Ces Star Power vous permettront soit d'attaquer les ennemis, soit de régénérer la santé des alliés ou de vous. Et ces gadgets vous serviront pour, bien sûr, soit découvrir la cachette des ennemis, ou soit envoyer des ondes qui vont tout simplement aller tabasser, les gars, les ennemis. Et ça, c'est le brawler le plus cheaté pour rush. Vraiment, jouez-la sur une map assez ouverte, comme ça. Vous n'aurez pas besoin d'utiliser des gadgets tous les 2 minutes. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi, le guide Mortis. Je suis en train de bosser dessus. Il ne devrait pas être trop long. Mais voilà, j'espère qu'il vous plaira. C'était Mars Gaming. Ciao, ciao.